de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7 heures sur la RTMC. Remise des objets de la RDC par la Belgique, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a remis hier symboliquement à la ministre de la Culture et Arts un registre qui reprend tous ces objets d'art à restituer. Reportage Patty Tondouamou. C'est un échantillon des 84 000 objets culturels repris dans les documents et cassettes, patrimoine de la République démocratique du Congo à restituer par la Belgique, que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a remis à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Katungu Fura Catherine, ce jeudi 10 mars 2022 au Musée national du Congo. Cérémonie sobre, mais pleine de signification, qui a connu deux temps forts. Allocution suivi de la remise proprement dite. Un hommage a été rendu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les chefs du gouvernement qui a salué son engagement lors de sa présidence à l'Union africaine de placer la culture, art et patrimoine au centre de son action. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le gouvernement attend de la commission technique et scientifique qu'elle documente pertinemment la requête congolaise devant aboutir à la demande officielle du gouvernement congolais assortie d'un calendrier consensuel d'opérationnalisation. Le gouvernement congolais s'attelle également à la signature d'un décret, que je l'ai dit, qui prendra en charge juridiquement la question de la protection du patrimoine culturel congolais. La restitution de ces biens par la Belgique est déjà au centre des réflexions au sein du ministère de la Culture à Martelly, la ministre Katungu Fura Catherine. L'apport scientifique et culturel d'un tel inventaire sur la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. Et en les remettant à la République démocratique du Congo, la Belgique a une fois de plus manifesté la volonté à faire de la question un pont qui réunit nos deux cultures et non une source de tensions et de crises diplomatiques. Et pour la bonne conservation de ces patrimoines une fois République démocratique du Congo, la direction générale du musée national a émis les vœux de voir sa direction être dotée d'un bâtiment érigé sur son propre terrain à Lingwala. Ouverture hier en Turquie des assises d'Antalya Diplomatie Forum. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, représente la RDC à ses assises. Reportage Doris Moussantamoué. Antalya Diplomatie Forum s'est ouvert dans le sud de la Turquie. La République démocratique du Congo prend part active à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundulapala, Pelapala. Le leadership, l'économie verte, la promotion de la paix, la gouvernance démocratique et la diplomatie sont l'essentiel de thèmes qui seront abordés à cette grande conférence qui se tient en présentiel après la crise Covid-19. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui présidera la conférence d'ouverture de travaux, mettra certainement l'accent sur l'importance de trouver des solutions aux grandes questions du monde par le dialogue. Les politiques, les scientifiques, les médias et autres faiseurs d'opinion, au total près de 2000 invités, discutent des thématiques ici évoquées. La République démocratique du Congo, qui a précédemment signé plusieurs accords de coopération avec la Turquie dans le domaine militaire, le transport, des finances et d'infrastructures, ne manquera pas de tirer son épingle de jeu. La finesse qui caractérise l'approche diplomatique de Christophe Lutundulapala Pelapala va guider ses interventions au cours des panels à organiser après la cérémonie d'ouverture. C'est pour bientôt les débuts de retrait progressif des troupes de la MONUSCO. Une réunion des experts s'est tenue hier jeudi sous la présidence de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Oscar Mbalkaïj pour d'autres détails. Les travaux du sous-groupe de travail sur les droits de l'homme et la protection des civils et des droits humains ont démarré à Kinshasa. Question de préparer les plans de retrait ordonnés et responsables de la MONUSCO
en RDC. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiessé, s'est réjouie du lancement de ces assises pour atteindre les objectifs à travers les différentes rencontres qui y seront organisées. Rose Mutombo a saisi l'occasion pour encourager les experts à plus d'assiduité. Pour la ministre d'État, ces assises pourront aider la RDC et son partenaire la MONUSCO à un désengagement total tel que prévu par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en profite vraiment pour encourager nos experts pour qu'au moment opportun, nous ayons les conclusions de notre sous-commission et je les invite à beaucoup d'assiduité et de sérieux dans le travail. D'après les représentants spéciaux, adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations et de la protection, Kassim Diane, le plan de transition de la MONUSCO a été élaboré dans la perspective d'un transfert progressif des tâches de la mission au gouvernement de la RDC avec le soutien de toute l'équipe pays des Nations Unies et aussi de bien d'autres partenaires de la communauté internationale afin de permettre le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. Le 10e sommet de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, tenu dernièrement à Kinshasa, a été un succès. Ces propos sont de Catherine Guichet, envoyée spéciale de l'Union européenne au coordonnateur national du mécanisme de suivi. Robert Ndaye pour le reportage. Lors de la tenue du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement, sommet tenu le 24 février 2022 dans la capitale congolaise, sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de susciter des réactions dans le milieu diplomatique. Ce mercredi 10 mars 2022, Catherine Guichet, envoyée de l'Union européenne à Kinshasa, a transmis au représentant chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mécanisme national de suivi de l'accord cadre Claude Ibalankié Koloba, les félicitations de son institution pour la qualité de l'organisation de ce sommet. L'Union européenne envisage l'élaboration d'un plan de paix, de sécurité et de stabilisation dans la région de Grand Lac. Sa présence à Kinshasa consiste à prendre contact avec les parties prenantes pour l'élaboration de ce plan stratégique. Occasion donnée à Claude Ibalankié Koloba de présenter à son hôte point par point le détail de la feuille de route initiale à la République démocratique du Congo pour sortir le pays de cycles de violence qui durent depuis plus de 25 ans. Claude Ibalankié se félicite que le chef de l'État réuni à Kinshasa lors de ses 12e sommets ont tous, à l'unanimité, endossé cette feuille de route pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Après Kinshasa, Catherine se rendra dans les autres pays pour une mission similaire. Le Burundi et la RDC sont déterminés à renforcer leurs relations transfrontalières. Une réunion s'est tenue à Bukavu entre le gouverneur du Sud Kivu et des experts venus du Burundi. Reportage. Ils sont à 6, les gouverneurs des provinces burundaises qui ont traversé la frontière de Kavimvira pour rencontrer leurs collègues congolais Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu. Les deux parties se retrouvent dans le cadre du renforcement des relations de bon voisinage et échanger sur les questions d'intérêt mutuel. Le but étant de renforcer la coopération transfrontalière en matière de surveillance des cas de coronavirus ainsi que la continuité à assurer la libre circulation des personnes entre les deux pays. Les deux délégations ont réitéré la volonté de leurs excellences, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Evariste Ndayishimiye du Burundi, à œuvrer pour la pacification des frontières congolo-burundaises. Bon, cette réunion est importante puisque d'abord aussi les questions de sécurité, on s'est convenu, on a discuté des problèmes qui ont été posés. On a tous pris l'engagement de travailler pour la paix, comme le demande les hautes autorités de notre pays, et ici je pense à la volonté du président de la République, d'un retour de la paix sur l'ensemble de la province. Donc, tout comme aussi son Excellence le président Evariste Ndayishimiye, qui tient aussi la sécurité dans son pays. Donc, la volonté a été réaffirmée de travailler ensemble, de mutualiser les efforts, pour qu'effectivement, la sécurité soit totale au site Kivu. Effectivement, ce travail-là va être approfondi par les hautes autorités, puisque nous avons recommandé qu'il y ait une réunion de haut niveau
pour aborder ces questions relatives à la sécurité. Peu avant, le chef de l'exécutif provincial a communié avec ses administrés qui se sont massés le long de la route pour lui témoigner de son indéfectible soutien aux actions de paix et celles de développement, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Théo Ngwabidje leur a rassuré que lors des assises sur les groupes armés, il sera question d'insister sur la question d'implanter des projets qui visent à sensibiliser, désarmer et réinsérer sur le plan socio-économique les ex-combattants qui ont quitté les maquis pour rejoindre la voie de la paix, gage du développement. En cette année 2022, toutes les chaînes de télévision doivent migrer vers le numérique. C'est ce qui justifie la réunion du comité de pilotage du Comité national de la migration vers le TNT, Télévision numérique terrestre. Les membres de cette commission travaillent sur l'effectivité de la feuille de route. Reportage. C'est une première de l'année 2022, la réunion de membres du comité de pilotage du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, présidée par le ministre Patrick Mouyaya dans sa casquette de président du comité national. Pour le porte-parole du gouvernement, il était question d'évaluer les avancées, mais aussi de points à réajuster. Nous espérons que cette année 2022, nous serons en mesure de nous assurer que le déploiement qui a été fait dans les 9 villes dans la première phase deviennent effectifs, c'est-à-dire que les chaînes à l'intérieur, dans les villes à l'intérieur du pays, fassent la mutation vers la TNT. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la mise en place de la commission technique des experts chargée de l'élaboration de la feuille de route. La commission technique des experts est un des points qui a été exécuté suivant les schémas que nous avions convenus l'année dernière. C'est l'un des points positifs qu'on a enregistré tout à l'heure. Et bien évidemment, il subsiste des difficultés, notamment d'ordre opérationnel. Mais mon collègue de budget s'est chargé de faire un travail technique qui permettra de régler ces problèmes. Outre la bonne qualité des images et sons, Patrick Mouyaya, président du comité de pilotage et président du comité national de la migration vers la TNT, estime que cette migration a aussi apporté de programmes thématisés. Mais l'avantage, c'est aussi pour les exploitants, parce que vous n'avez plus de contraintes d'avoir des émetteurs qui vous permettent de faire de gros investissements. Vous disposez juste d'un canal au niveau du bouquet national qui vous permet de diffuser vos programmes. Retenez que la RDC tient à s'y conformer aux directives internationales de l'Union internationale de la télécommunication, mais aussi assurer les meilleures conditions de réception du signal radio et télévision. De l'Église du Christ au Congo sont en congrès. Ces jeunes réfléchissent sur plusieurs sujets du pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante y a pris part et a intervenu sur le processus électoral. Tétis Samba. Ils sont 233 responsables nationaux et provinciaux des jeunes de 95 communautés de l'Église du Christ au Congo SCC, réunis en congrès depuis le samedi 5 mars 2022 au centre d'accueil Mgr Chaoumba. Ce jeudi 10 mars, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a effectué une descente surprise et a échangé avec ces jeunes sur plusieurs sujets, notamment la consolidation de la démocratie, l'implication et le rôle majeur que doivent jouer les jeunes dans les différentes étapes du processus électoral. Nous sommes dans la phase de la consolidation. La consolidation de la démocratie signifie quoi? Je vais expliquer ça de façon très simple. Au début, nous voulions qu'il y ait élection. Et il y en a eu. Le problème de tenir les élections ne se pose plus. Le problème de la quantité, le nombre, la quantité des élections n'est plus vraiment un problème. Aujourd'hui, le problème qui doit nous préoccuper, c'est la qualité des élections. La sensibilisation des électeurs, c'est l'un des moyens. L'information des électeurs, parce qu'il faut les informer. Il n'y a pas meilleur mobilisateur que les jeunes. Mais il faut donc former ces jeunes-là et les lancer. Et nous, dans notre programme, nous avons réservé une place de choix aux jeunes. Ce congrès a pour objectif de renforcer les capacités des leaders des jeunes protestants en vue de les permettre de réfléchir et de prendre des décisions capables de contribuer à la cohésion nationale et à leur développement. L'organe expert en matière de climat des affaires, l'ANAPI, propose un réajustement du code d'investissement. Un café d'échange s'est tenu hier à Kinshasa à ce sujet. Reportage José Baïtombo, Patrick Mukoui.
En 20 ans, les coûts des investissements en application au pays n'a pu agréer que 1868 projets, un chiffre insuffisant pour le gouvernement de la République qui, par son organe conseil en matière du climat des affaires, propose un réajustement selon les réalités actuelles. Ce café d'échange a permis à l'Agence nationale pour la promotion des investissements et aux parties prenantes de répondre à certaines questions sur notamment l'efficacité de ces codes et son impact dans la pratique des affaires. Nous sommes venus voir les consommateurs, nous sommes venus voir les créateurs d'emplois, les créateurs de richesses, que est le secteur privé au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, pour que nous puissions débattre de ça. Nous sommes en train de bâtir ce qu'on appelle une sorte de démarche participative avec le secteur privé, afin que demain, lorsque on fera encore certainement l'évaluation, qu'on se dise quand même que le prochain code, il a été issu d'une démarche participative faite par les Congolais, faite des Congolais et pour les Congolais. La Fédération des entreprises du Congo, bouche autorisée du secteur privé, apprécie la démarche et en propose de préalable. La démarche initiée par l'ANAPI aujourd'hui est une démarche excellente, ainsi que par le ministère du Plan, parce qu'elle est participative et évidemment l'AFEC, le secteur privé, les opérateurs économiques donneront leur part pour pouvoir permettre au pays de pouvoir mettre sur pied un plan d'investissement qui permette à tout le monde de pouvoir faire des affaires décentes. Ces travaux suivis de près par le ministre d'État au plan détermineront la direction à prendre pour un code des investissements plus compétitif et attractif au regard des mutations actuelles. Les promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la plupart ont été réalisées, bien que beaucoup reste à faire. C'est le constat de l'éveil stratégique qui a réfléchi sur certaines réalisations. Reportage. Durant les jours, les points focaux du Conseil présidentiel des veilles stratégiques ont étudié les forces et faiblesses dont la réalisation des engagements pris par le président de la République coulait en programme par le gouvernement en vue de mettre en place une matrice de suivi, d'évaluation et de reporting pour assurer l'exécution des promesses du chef de l'État. À ce stade, certaines ont pris corps, même si beaucoup reste encore à faire, note François Mbatie Chimbi, coordinateur des CPVS. Le chef a ce qu'on appelle des engagements emblématiques, phares. Que nous suivons, la mise en place de la couverture sanitaire universelle. En termes de ligne de temps, c'est maintenant là, en février-mars ici, qu'il était dit que ce programme devait être mis en œuvre d'une manière complète. J'observe que ça a pris beaucoup de retard, mais que bien heureusement, le vendredi dernier, on a vu que l'une des choses qui bloquait, c'est-à-dire la signature des décrets nécessaires pour mettre en place l'infrastructure indispensable à la mise en œuvre donc, de ce projet. Donc ça a été approuvé en Conseil des ministres. Il y a la question emblématique aussi de la gratuité de l'enseignement. Là aussi, c'est mitigé. Ça veut dire que, d'une part, on peut observer que grâce à cette mesure édictée par le président de la République, bien de nos enfants qui n'avaient pas accès à l'école à cause de la barrière financière, les parents n'ayant pas toujours les moyens de pouvoir financer la scolarité des enfants, bien de ces enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Dans un avenir proche, son cadre va se pencher sur les indicateurs de performance comme outil de suivi et de mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État. On va avoir un atelier vendredi et samedi qui va permettre maintenant de vraiment analyser les différents indicateurs de performance qui vont être établis avec les parties prenantes pour que ce soit notre base en fait, de suivi. Le Conseil présidentiel des veilles stratégiques est un service de la présidence de la République institué sur l'agence présidentielle chargée de faire le suivi et le monitoring des promesses et actions du président de la République. Bien que reportés pour l'année prochaine, les travaux de site qui vont abriter le 9e jeu de la francophonie se poursuivent. Le directeur national a fait une visite d'inspection, nous dit Rodé Panda. Cette couche en béton posée sur les sites dans l'enceinte du stade des Martyrs, c'est la fondation où sera érigé un double bâtiment pour le basketball dans le cadre du 9e jeu de la francophonie. Ici, l'entreprise CGC qui exécute ses travaux pour ses infrastructures, l'une pour le basketball et l'autre juste à côté pour le volleyball, travaille d'arrache-pied
dans le but d'arracher la première place de toutes les autres entreprises en compétition. L'évolution est donc bonne, rassure les DG du CGC Montasser Arbide devant le directeur national de 9e jeu de la francophonie qui vient d'effectuer une visite surprise pour les suivis. Isidore Kwanjangembo a successivement visité les travaux sur les sites de Tata Raphaël où on attend des salles de gymnase pour les tennis de table ainsi que seuls le judo et la lutte. Voici les constats faits par le directeur national de 9e jeu de la francophonie. Je suis très content que j'ai trouvé sur le terrain que tous les sites sont en activité, que les entrepreneurs sont engagés. Nous, de notre côté, nous allons aussi faire tous nos efforts pour que nous puissions respecter nos engagements et que nous ayons ces infrastructures avant la fin du mois de juillet, de telle sorte que ces infrastructures-là vont être mises à la disposition de nos athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner. Les entreprises morales au zénith avec des engins qui tournent en plein régime. Le gouvernement déterminé à honorer ses engagements, tout doit s'arrêter donc avant le délai butoir du début des Jeux. Le retard est préjudiciable à la nation congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS poursuit son séjour au Kasaï oriental. À Miabi, Augustin Kabuya a tenu un meeting dans le cadre de redynamisation du parti à Lambikaï. Après triomphal de Augustin Kabuya dans les territoires de Miabi, la terre de ses ancêtres, les habitants de Miabi ont tenu à manifester leur soutien au fils du terroir, secrétaire général du parti présidentiel. Pour communier avec ses sœurs et frères, le secrétaire général était obligé d'improviser un bref entretien. Sur la route de Bouya, le cortège du secrétaire général a été stoppé au village Benakabouya par une foule surchauffée. C'est devant leur maison familiale que Augustin Kabuya a apporté un démenti formel sur une fausse information tendant à ternir son image. Il y a un faux document qui circule dans les réseaux sociaux. Alléluia. Sous prétexte que l'assassin me paye 100 000 dollars à la fin de chaque mois. Ah. C'est une campagne d'intoxication. C'est aux alentours de 16 heures que le secrétaire général a fait son entrée dans la ville de Bouya où la mobilisation était totale. Plusieurs chefs coutumiers de cette contrée de la République ont apporté un soutien substantiel à l'Africaine à l'heure d'une fils, Augustin Kabuya. Les grands chefs coutumiers de Bakwadichi a saisi l'occasion pour présenter à leur hôte les désiderata de la population de cette entité administrative. Dans sa communication, le secrétaire général de l'UDPS a invité le sœur et frère de Félix-Antoine Tshisekedi à rester son bouclier politique. Ne vous laissez pas manipuler par les détracteurs du président de la République, a-t-il insisté. Les territoires de Miabi doivent se préparer pour accorder à Félix Antoine Tshisekedi la majorité écrasante en 2023, a-t-il conclu. À Miabi, c'était une véritable démonstration de force de l'UDPS de ce territoire. Lancement des activités liées au mois de la femme à la police nationale congolaise avec l'appui du commissaire général de la PNC, Dieudonné Amuli Bahigwa, ces femmes s'engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tony Djuma. La femme au sein de la police nationale congolaise met en avant son engagement pour la protection de l'environnement afin de garantir un avenir durable. Dans son intervention, la commissaire divisionnaire adjointe chargée de la protection civile, Virginie Amato, appelle les femmes à considérer le contexte de réchauffement climatique non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de formation et de changement de comportement. Occasion pour la directrice adjointe des écoles et formations de la police nationale congolaise, Alain Mouindé, de plaider pour la promotion en grade des femmes au sein de la PNC et solliciter l'implication du commissaire général Dieudonné Amuli Bahigwa. Un plaidoyer bien reçu par le numéro 1 de la police. En ces jours du lancement des activités du mois de la femme de l'année 2022, avant toute chose, de rendre mes vibrants hommages à son Excellence Monsieur le Président de la République qui ne cesse d'accorder une importance primordiale à la promotion de la dimension genre au sein des différentes institutions de la République dont la police nationale congolaise.
Avec le lancement des activités liées au mois de la femme, la section genre de la police nationale congolaise compte mener plusieurs activités pour sensibiliser la population sur l'entretien de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Une sensibilisation qui va commencer d'abord au sein de la police nationale congolaise avant de s'étendre. La cérémonie a été marquée par la présence des épouses des officiers de la police nationale congolaise. Page noire avant de terminer ce journal, c'est hier jeudi 10 mars 2022 que Faustin Fossa Tombisa a été conduit à sa dernière demeure. Les journalistes de la RTNC, le corps académique de l'IFASIC et autres médias lui ont rendu un dernier hommage. Jacques Kaboba. Au revoir et voir au ralenti, Fossa certainement. Je m'en doutais parce que même l'arbitre... Avant de siffler, hésiter momentanément. Quand on a un consultant à côté, ça permet aussi de reposer sa propre mémoire. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Faustin Fossa Tombisa Diaba a tiré sa révérence dernièrement ici à Kinshasa suite d'une courte maladie. Directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICEA, Faustin Fossa, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie, a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille, car la RTNC est notre seconde famille. Fils de Fossa Capitao Alphonse et de Ndonatanda Makinanga Anne, Faustin Fossa est de la promotion de 1983 de l'Institut supérieur des techniques et d'information, aujourd'hui IFASIC. Il était aussi détenteur d'une licence en philosophie et d'un master en sciences et techniques de développement des facultés catholiques de Kinshasa. Journaliste à l'RTNC, depuis le 30 octobre 1984, l'illustre disparu a évolué jusqu'à ses derniers jours comme directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICEA. Pendant sa carrière, il a développé une polyvalence qui a fait de lui, à différentes périodes, présentateur, commentateur et producteur de plusieurs magazines, dont Caribou Variété, Magazine du Vendredi, Match de football, où il était devenu indissociable au commentateur Kaboulo Mwana Kaboulo. Faustin Fossa a été également directeur des Infos TV et directeur de la production radio. On a noté la présence de plusieurs personnalités, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, les PCA de l'RTNC, Zéphirin Mamoko Moukampoul, le directeur général ad intérim de l'RTNC, Belide Bunga, les agents et cadres de l'RTNC, ainsi que les amis et connaissances. La mort est certes une fatalité, nous n'en pouvons rien. Estimez, confrères, si vous êtes donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Père Céleste. Il est le temps et son maître, ses voies sont insondables. La douleur a été telle que personne, ne pouvait contenir ses larmes. D'abondantes larmes d'ailleurs, lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparue s'est dirigée vers les cimetières, chemin du paradis. Frères, sœurs, collègues de service, amis et connaissances, n'ont eu d'autres mots que de dire « Adieu directeur Faustin Fossa Tombisa Diaba. Adieu papa, adieu tonton Faustin, adieu Baoba. Adieu, estimés confrères, que la terre de nos ancêtres vous soit douce. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce que l'on ressent, c'est de faire ce que vous faisiez, les miens dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils et surtout vos commentaires avec directeur Kaboul auquel le destin nous prive désormais. Que c'est dur de vous dire, va en paix. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais. Un maître est parti, paix à son âme. Et c'est par cette page noire que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Pécho Mubenga Kasongo et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Gabi Konga et Guilain Moukoko. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Joël Makela. Excellente suite de programme sur la RTNC.